piano, ne t'énerve pas. C'est-à-dire que c'est un peu de la daube, hein, c'est ces tables. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, merde. Attends, mais là, parce que là, ça colle pas du tout, rien ne colle. Oh putain. Faut pas que tu mettes, genre. Hop, 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 oh, oh, monsieur. Oh là là, il a tout cassé. Le making of. Ça va? Ah, c'est pour rien. C'est pour rien. Putain, je suis trop con. Oh merde. Ah putain, je m'en fous. Bon, bon, on n'a plus d'électricité, voilà. On n'a plus de lumière, voilà. On n'a plus d'électricité, on n'a plus de lumière, voilà. Voilà. Bravo. Oh, pardon. Bon, c'est par là. Là, c'est toi, Raphaël. Extérieur. La serveuse, elle fait comme ça. Et là, elle revient, elle appelle le serveur. C'est nerveux, il est super musclé. Elle s'enfuit. Mais pouf, il se retrouve là. D'autres pièces, tu vois, c'est bon. J'arrive au courrier. Ah, il court. Ah, putain. Ah, il se jette. Ah, de là-haut. Et là, il vole. Là, on coupe, on fait un plan comme ça. Une voiture de police, ils rebondissent dessus. Pouf, pouf. Ah, ah, pouf. Dans l'eau. C'est vrai que tu devais avoir fait autant de petits machins. Côté. Tu vois, quand la caméra se lève, il y a un petit bon qui a arrêté. Un peu flou, estomaqué. Essaye d'exprimer une sorte de ville fantasmagorique un peu. J'adore de voir ces clignotes. Des petits effets avec des gros trous dans mon ami Jean. Gros gros trous. Oh putain, c'est pas possible.
scintille plus. Je fais les lumières de la ville. Je fais des petits trous dans le carton. On va mettre la lumière derrière et qui feront les lumières de la ville. Ouais, ouais. Ça a 20 milliards d'années, ça. Oh, il y a un arbre. Pas trop gros, ça peut être des magnums, ça. Hein. Ils sont full l'échelle. Ouais. Ouais, ça va être une cuisine. Un peu énorme, mais non. C'est trop gros. Un magnum, hein. C'est avec le restaurant, au début du truc. Du Kim. Avec les tables. En fait, c'est des moules. C'est des moules à gâteau. Donc j'ai fait 4 pieds, grosso merdo, comme ça. Et bien sûr, je te montre exactement celle qui est pas stable. Il y en a une qui est. Je vais mettre une petite cale en bois dessus, comme dans les vrais restos. Je me mets dans le 13e arrondissement de Paris. Parce que c'est le quartier chinois. Et donc, on a trouvé tous ces petits. Non, ça n'a pas été très difficile en fait. C'est un bout de bois où j'ai mis du flocage vert dessus. Et c'est un petit bol à thé. Un hôtel chinois qui se trouve à l'entrée des magasins. Avec de l'ensemble. Vous êtes sûr de l'aménagement de la cuisine comme ça là? Ouais, parce que c'est pour Avia, c'est pour cacher. C'est pour Avia, c'est pour cacher? Ouais, c'est pour ça qu'ils sont là les trucs. Et cacher quoi? La misère. Quoi, du sol là? Ouais, sur le côté. Hein. Ce qui est pas mal, c'est que ça pourra réfléchir la lumière, donc ça pourra faire un truc comme ça. Pas mal ça, non? Ouais. Pour la cuisine, justement. Ouais, super. Là, faut qu'on mette les lustres à hauteur, tout, c'est-à-dire là. Là, ça c'est clair. Là, pareil. Là, la cuisine. Pareil, ça, c'est des petits moules à gâteau, ce qu'on a utilisé pour faire les tables. Attendez. Oui, c'est
Voilà. Ouais, c'est sorti. Ouais. Et si je peux pas trop faire des panneaux. Ce qui bloque, attends. Ah, stop, reviens en arrière. Quoi qu'à griller ? Circuit. C'est-à-dire, il faut changer les ampoules en fait, c'est ça ? Ouais. Oh merde. Les jetons, ils sont pas mal pour que ça rebondit. Ouais, ouais. Ça c'est bon ça. Le bus. L'ascenseur. La bagnole de flic. Petit restaurant. Quoi, attends, attends. Top. Ils tombent et ils atterrissent sur la partie métallique. Il nous faut un son métal. C'est pas mal comme ça. Mm-hmm.